Si vous voulez comprendre, la toute première langue ne vient pas de la Mésopotamie. Ça vient de la toute première langue, que ce soit écrite, parlée, c'est le Douala ancien. C'est la langue Douala. Je le dis ici, celui qui n'est pas content, c'est son problème. Donc, c'est pour cela qu'il est dit dans Origine, et on va vous démontrer. Dans Origine, chapitre 11, au verset 16, il est dit, « De la langue Sawa, c'est-à-dire Douala ancien, qui est la langue originelle, Mutatedi. » Donc, Mutatedi, c'est qui? C'est l'entité. Ils ont pris l'histoire de Mutatedi, ils ont mis dans les Bibles actuelles, et ils ont dit que c'est l'ange de l'Éternel. Mutatedi, qui veut dire le gardien, le berger. Donc, le berger, le gardien, ainsi de suite. Pasteur. Bon, Mutatedi, c'est celui qui guide et qui intronise les initiés. Extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Je répète, dans Origine 11, 16, il est dit de la langue Sawa, donc Douala ancien, qui est la langue originelle, Mutatedi extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Donc, toutes les langues à l'heure actuelle existent et d'autres langues qui pourront venir existent uniquement à cause de la langue Douala. À cause, je répète, de la langue Douala.